Et bien salut à tous, c'est KekeBeben, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne GeekMe5, donc pour un petit Fight Club détente. L'Hunger Games Descent que j'avais fait il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines même, vous a bien plu. Donc moi j'aime bien faire des petites vidéos détentes comme ça, donc on se retrouve dès que les shaders sont enlevés et que je suis dans la game. À toutes. Et bien re les gens, donc on est dans la game. Donc on est sur la map duel, tout simplement parce que les autres c'est de la grosse merde. Enfin la nouvelle map en fait a été beaucoup jouée au début, et puis là elle est complètement délaissée, enfin comme les nouvelles maps, comme toutes les nouvelles maps d'Epic Cube de toute façon, j'ai rien de vous dire. Donc j'espère qu'on va faire une belle game. Moi les Fight Club en général je fais des assez belles games, après ça dépend aussi de qui y a dans les games, mais là bah on va essayer de se démerder. Ok, donc lui faut faire attention un peu. Ok, il fuit. Alors je vois pas à quoi ça sert de fuir en fait l'ob. Ouf, avec les dégâts dessus, j'ai eu très peur de mourir comme une merde après, ça aurait été con. Je vais mettre un petit GG quand même. Alors donc moi je m'enchaîne tout le temps de la même façon. C'est-à-dire que hop je fais ça, après je me fais direct une T2. Alors c'est peut-être un peu bête de s'enchaîner comme ça, mais je sais pas, après donnez-moi des conseils si vous en avez. Moi c'est tout le temps de cette manière là que je m'enchaîne. Après j'essaie de voir si avec les bots je peux avoir. Je vais prendre un projectile, ça peut toujours servir parce que les mecs qui spam beau, c'est toujours casse-couille. Et puis au final, on se retrouve avec un stuff plutôt potable, avec une T2 et un Power 1, ce qui est pas trop dégueulasse. Vous avez remarqué peut-être un peu sur la chaîne qu'on fait un peu de moins en moins de vidéos sur Minecraft, parce que bah on en a marre en fait du jeu, c'est pas compliqué, tous les trois on en a marre. Donc moi j'en ferai toujours un petit peu, je pense, mais. Ça va, on va quand même commencer un peu à pas arrêter Minecraft, mais à quand même se convertir un peu dans le multigaming et essayer de faire un peu de bah, par exemple il y a le paladin qui vous plaît pas mal. Merde, si je lui claque une régène ça va mal le finir. Tu pourrais dire merci, moi je te claque une régène. Ok, ça va que c'est pas un joueur très aguerri du serveur hein, parce que bon. Ça arrive qu'il y ait des mecs assez bons. Donc voilà. Ouais, donc j'avais dit. Pourquoi pas faire une. Un peu. Changer un peu la façon de la chaîne. Les vidéos Minecraft, moi, ça continuera. Mais moins, quand même. Il y en aura sûrement moins. Lui, il a vraiment. Est-ce qu'il m'a traité de cheat? Parce que j'ai cru. Ah non, ok, c'est pas. C'était pas pour moi. Ça aurait pu, hein, parce que moi, ça m'arrive de me faire traiter de cheat des fois. C'est drôle, des fois aussi. Donc, ouais. Comment vous dire, ouais, on veut un peu changer un peu la chaîne. Tout simplement parce que bon, le Minecraft ça nous plaît plus, puis bah même ça plaît plus à grand monde en fait. La chaîne, je sais que ça plaît à énormément de monde sur notre chaîne de faire du Minecraft. Mais ça c'était très con de ta part. Mais le problème c'est que bon bah on va pas se forcer à faire sur un jeu qu'on aime pas, enfin voilà quoi, je pense que c'est normal. Après je vous ferai sûrement une vidéo un peu plus détaillée sur avec Victor et pourquoi pas Théo aussi. Là je spambo un peu parce qu'il m'a spambo tout à l'heure donc Ok donc voilà. Voilà, après des petites games comme ça me plaît, moi j'aime bien. Mais après pas tout le temps. Je pense vraiment réduire un peu le rythme du Minecraft parce que c'est quand même un jeu pour moi qui a fait son temps, qui les développeurs s'en battent les couilles un peu de la version PC. C'est pas qu'ils s'en battent les couilles, c'est surtout qu'en fait les nouvelles versions PC qui arrivent, il y en a énormément. Là il y a déjà la 1.11.1 je crois qui commence à être annoncée. Enfin il y a plein de trucs hein, la 1.12 ce sera dans moins d'un an c'est sûr. Mais le problème c'est que c'est plus du tout axé vers le PVP et vers tout ce qu'on aime en fait sur Minecraft. Excusez-moi si je renifle un peu comme un gros porc, c'est juste que je suis un petit peu enrhumé. Bref, on s'en branle. Donc ouais, en fait, le problème c'est que... Oh putain, je suis mal enchanté. Le problème c'est que... Comment dire les développeurs délaissent un peu la version PVP de Minecraft, je trouve, et vraiment mais abusé quoi. C'est en fait, depuis la 1.9, c'est plus du tout ce qui... C'était plus du tout le Minecraft d'avant quoi. C'est maintenant, en 1.9, qu'est-ce qui est joué au PVP à part les rushs? Rien du tout.
Et encore les rushs, bon, ça va bien 5 secondes, mais ça va commencer déjà. C'est quand même une moins grosse commu qu'avant sur l'UHC ou sur. Bon, il commence à me casser les couilles à boss spam lui. Bon, allez, là, arrête de boss spam ta vie! Ah oui, d'accord. Ok, là j'ai bien joué. Ok, bah là c'est à moi de le boss spam, je suis désolé, mais bon, il m'a cassé les couilles tout à l'heure. Oh, mais mec, c'est un cancer celui-là! Allez, arrête de jouer ta vie. Ouais, voilà, y a ce genre de mec là, voilà. Voilà, on spam beau. Trop rigolo! Eh, voilà! On s'amuse sur le jeu de cube! Putain! Voilà, c'est ça la commu maintenant. Et pour un peu, on va tomber sur le même. Oh, lui, par contre, je m'en bats les couilles, je le défonce. Voilà donc re les gens, donc on est toujours en Fight Club sur la map duel, donc voilà, je parlais tout à l'heure de, enfin, pour vous ça fait 2 secondes, mais moi ça fait une petite minute. Bref, je parlais un peu de la commu, bah voilà, on l'a vu très clairement, le mec qui spam beau 20 ans, il joue sa vie vraiment, alors qu'en vrai je le battais, hein, mais vraiment. Bah voilà, c'est ça en ce moment la commu. Maintenant j'ai envie de vous dire, bah, le potion, voire l'UHC, de toute façon c'est mort en fait, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait lui? En fait le problème c'est que maintenant bah il n'y a plus rien, à part le rush. Et encore le rush, ça va commencer à être cancer, vous allez voir. Ça a déjà commencé à être très cancer. En fait, dès que les youtubeurs ont commencé à un peu promouvoir ce mode de jeu, alors que ça fait, je sais pas, ça doit faire 3 ans qu'il existe ce jeu. Et donc ça va commencer à être cancérigène, les mecs vont vraiment jouer leur vie sur ce jeu. Et vous allez voir que dans moins de 6 mois là, ça va commencer à cheater comme des porcs. Hein. Là vous allez voir tout le monde qui va vape et puis voilà, ça va être n'importe quoi en fait. Ça, le problème de la commu en ce moment, c'est que bah, un nouveau mode de jeu qui est super hypé, machin et tout, bah ça arrive, ça fait les cancers et ça cheat quoi. Donc il y a un moment, bah voilà, le jeu il est délaissé. Minecraft.net ne fait plus rien pour le PVP. Il fait juste des trucs pour la survie, et puis voilà quoi, c'est. Ça commence vraiment à être de la merde, et puis bon, ça dev que de la merde, je veux pas dire les mecs, mais ils mettent. Genre, moi j'étais vraiment hyper choqué de la sortie de la 1.9. La sortie de la 1.9 c'était quand même de la grosse merde, on va pas se le cacher, c'était de la grosse merde. Et ils ont mis une année, voire même plus, à sortir cette version. Alors je veux bien croire que bon, il y a eu le rachat de Microsoft, machin et tout, mais les mecs. Un an et demi pour faire une mise à jour qui pue la merde en plus. Qui pue la merde. Il rajoute quoi? Un cooldown des épées. Mais c'était la chose la pire à faire. Fallait pas faire ça en fait. Même si après ils l'ont réduit un peu, mais c'est quand même de la merde. Après, moi je critique cette version-là, mais il y a plein de gens qui vont la surkiffer. Parce que bah, il y a des mecs qui sont arrivés à la 1.9 en fait. Ils ont commencé à jouer à Minecraft, ils ont pas connu la 1.8. Donc, quand tu connais pas, c'est évident que tu aimes bien le PVP en 1.9. Mais quand t'as connu la 1.7, voire même avant la 1.5, moi je l'ai connu. Hein. Et bah voilà, c'est. Ok, donc lui. C'est assez simple. Je gueule, je suis pas un connard. Et donc voilà. La commu, bah voilà, c'est ça maintenant, je vous ai dit. Hein, des cheaters. Puis dès qu'il y a un nouveau mode de jeu, bah ça. Il y a une commu. Hein. Je veux pas dire, la commu rush elle est bien. Elle est très bien la commu rush en ce moment. Vous allez voir qu'elle va se dégrader de pire en pire. C'était pareil pour la commu potion, hein. À l'époque de Goï, elle était très bien cette commu. C'était une des meilleures commu. Enfin, de toute façon, il y a que celle-là. Je viens de vous dire. Mais dès que Goï est mort, c'était n'importe quoi. Il y a eu CTL. Mais CTL, ça a pas duré. Ça a duré, hein. Mais voilà, c'est. Ça se DDoS de partout. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, il y a eu tous les petits serveurs là. Il y a PvP Gym en ce moment qui marche assez bien. Il y a. Comment? Ah, je me rappelle plus. Arcyria. Mais Arcyria, c'est pareil. Moi, ils m'ont bien couillonné, ces mecs-là. Ils m'ont fait, ouais, 200 subs, grad youtubeur. Bah ouais, je mets le trailer. Vous l'avez vu, peut-être, le trailer. Hein. Je l'ai mis et tout. Les mecs, après, ils répondent plus. Ils font les morts. Ils ont fait la même chose à Minix, sauf que Minix, lui, il a 3000 abonnés. Moi, à 200 abonnés, je m'en bats les couilles d'être grad youtubeur. Sauf que le mec, il a 3000 abonnés, il a fait 2 vidéos dessus. Et il se fait niquer, mais genre violemment. Donc, il reste PvP Gym, mais encore. PvP Gym. C'est des CTL V2 quoi, en gros, c'est ça. Là, ça cheat de partout, et enfin, ça commence vraiment. Bah, pour gagner maintenant, faut soit avoir un DNS, soit cheater. Donc, moi je préfère pas cheater. C'est pas vraiment mon délire. Et même maintenant, des mecs qui cheatent en vidéo,
pas dire des noms, mais voilà quoi. Et il y a plein de mecs qui c'est pire qu'avant en fait. Genre, on pouvait pas faire pire qu'avant avec tout ce qui s'est passé avec Joker Killer. Enfin, ça c'était vraiment, tout le monde a cru que ce mec était hyper bon en fait. Mais au final, il cheatait comme un gros porc. Mais maintenant en fait, un mec comme ça qui arrive, il est cramé à 20 000 km en fait. C'est ça le problème. C'est que maintenant, tout le monde est habitué à ce qu'il y ait un cheater dans une game ou là, ça se trouve dans ma game là. Il y a peut-être un cheater. Écoutez, je peux pas savoir. Mais on sait jamais, vous voyez. Il y a toujours peut-être un cheater ou un petit vape, un petit force field. Il y a toujours des trucs comme ça. Et c'est ça qui commence à être chiant sur les serveurs. Après, le délire de passer en 1.11, c'est bien. Moi j'aime bien la 1.11, j'y ai jamais joué. Hein. Mais les nouveautés, j'étais hypé, hein, comme tout le monde. Mais quand on est arrivé dessus, voilà quoi, c'est 3 mobs. Enfin, le PVP meurt quoi, c'est... Vous voulez faire quoi en 1.11 en PVP, les mecs? On va pas faire. Même le rush, même les mecs qui font du rush se mettent pas en version 1.11 parce qu'ils savent très bien que c'est de la merde. Donc voilà. Voilà, et là je suis tout seul comme une merde. Évidemment. Donc, on va peut-être se concentrer un peu sur la fin de la game là. On va sûrement être en finale. Donc c'est plutôt bien. Ah, il n'y a plus que les serveurs comme ça, comme Epicube, qui sont à peu près potables parce que. J'ai toujours craché sur Epicube et je cracherai toujours sur ce serveur. Parce que c'est un serveur qui vraiment s'est foutu de la gueule du monde en fait. En fait, le problème c'est que le serveur sans les UHC n'en serait pas du tout là. Mais vraiment, parce qu'en fait, c'est un des premiers serveurs français, un des premiers serveurs, parce que je sais très bien que c'est pas le premier, qui en fait a fait vraiment des UHC, enfin, en game, enfin, les UHC 1h, quoi, il y avait les UHC 1h et 1h30, ça marche toujours les UHC 1h, hein. Je suis sûr que ça marche toujours, je suis pas allé voir, mais je suis sûr qu'il y a toujours petite centaine de joueurs qui jouent ce mode de jeu, parce que c'est, moi j'y ai joué, hein. Les games de 1h, mais j'en ai faites, mais j'en ai bien fait... 30 voire plus même, enfin sur Epicube c'est ce que je faisais le plus avant. Et là, l'UHC est mort. Pourquoi? Bah à cause des cheaters comme d'hab, à cause de Bad Lion aussi qui c'est plus du tout ce que c'était avant Bad Lion. Bah depuis aussi qu'ils ont racheté Koi, ça c'est n'importe quoi. J'ai oublié aussi de parler d'un peu des whitelist payantes en fait. Le problème des whitelist payantes c'est que maintenant déjà qu'on paye, c'est plus 20€ Minecraft. Je crois que c'est 23,99€ ou voire 25€, je sais plus trop ce que c'est. Mais bref, c'est plus 20€, ils augmentent le prix. Ils augmentent le prix pourquoi? Pour des versions de merde qui servent à rien. Et pour payer encore plus pour jouer en PVP en 1.7 là. Sur, bah y'a Evolved. Et comment... Putain, je sais plus comment il s'appelle le serveur US qui va me tuer. Je sais plus comment il s'appelle, écoutez, je me rappelle plus. Mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et ces deux serveurs là, Evolved c'est pour les FR. Et je sais plus comment il s'appelle, le serveur ça me perturbe. Je vais retrouver le nom. Et en tout cas, bah voilà, moi ça me dégoûte de payer une whitelist pour aller sur des serveurs qui ont soi-disant des bons KB, alors qu'il n'y a pas vraiment de bons KB, enfin... Il y a des bons KB, hein, mais bon, ça reste la même chose, ça reste la même commu. Moi je m'en bats les couilles franchement des KB, hein. C'est pas ce qui me... Franchement ça change que dalle, enfin... Faut arrêter de jouer aussi comme des mecs un peu. Mais genre le mec là, lui, c'est pire que Nems. Sa vie c'est de la merde. Bon allez, on va l'attendre ici. Ah mais comment il sait pas viser le mec. Mais... Je vais vous faire plaire un jour. Est-ce qu'il y a des specs? Oui, il y a un spec, celui de son pote. Ouais, il joue pas comme un PD là. Tu sais quoi, je vais le faire comme lui. Ça dégage. Je les recte. Il fait quoi lui? Voilà, donc voilà les cancers sur les PQ maintenant, ça attend pour Spambo. Laisse en monter, ok. Vas-y, je te laisse en monter, gros. Bon, il fait cancer, mais il est fair play, voilà. Et moi, je suis fair play avec lui parce que il m'a demandé gentiment de remonter. Et voilà.
porte là, c'est Spambo. Vas-y, vas-y, gros. Mais comment il arrive en finale, lui? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? GG à toi, en tout cas. Bien joué à toi, mon cher ami. Laissez un gros pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à commenter, à me donner, à donner vos avis si vous voulez encore des petites vidéos détente comme ça où je parle un peu de l'actualité de Minecraft ou même de YouTube, pourquoi pas, parce que là, bon, YouTube c'est pareil, c'est la même chose que Minecraft, ça commence vraiment à partir en couille. Donc voilà, laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous.